Trop triste pour la nation en considérant les hommes en uniforme qui s'étaient bâtis pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, alors colonie belge. J'ai suivi avec beaucoup d'attention Kunyonga, Daniel et... Monsieur Sakamamba, Sakamamba, Maurice, qui s'était battu lors de la guerre 40-45. Ils ont eu à remporter la guerre à Gambela, à Sayo, à Birmanie, ainsi que d'autres endroits. À les entendre, c'est vraiment triste. Nous devons nous ressaisir pour que davantage la République soit à même de reconnaître les hommes en uniforme. Nous ne pourrons pas avoir demain une armée forte si nous ne savons pas donner de l'émulation, de l'impulsion, stimuler ces jeunes-là qui doivent venir demain dans l'armée et remplacer ceux qui ont terminé leur période d'activité. La période d'activité aujourd'hui, il y a des généraux qui ont 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. Ils ne finiront pas généraux dans l'armée. D'autres sont des officiers supérieurs, d'autres sont des officiers supérieurs, d'autres sont des soldats de rang. Donc chacun à son niveau attend à être un retraité ou appelé demain vétéran, quel que soit le grade. Et pour que nous puissions avoir une armée qui se rajeunisse à chaque instant, il faut donner de la chance à ceux qui ont accepté de servir sous les drapeaux et de mourir pour la patrie par leur propre sang. C'est pourquoi je l'ai toujours dit que l'armée, c'était une grande école où la discipline est au centre de toutes choses. Et pour que nous puissions considérer notre armée comme le corps même de la sécurité nationale, comme le pin dorsal de notre énergie, de notre force, nous devons commencer à redorer le blason de retraités, des anciens combattants, de veuves militaires, des orphelins militaires, ainsi que tous les dépendants de ceux qui acceptent de donner leur sang pour notre protection ou pour la protection des intérêts de la nation. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom du commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avions accepté de poser des actes de reconnaissance parce qu'il y a déjà un film qui est tourné
par le professeur Yot en collaboration avec certaines ambassades de la République du Congo, pour dire que nous avions eu à oublier les anciens combattants, parce que les titres de ces films que nous allons visualiser et découvrir le 13, pendant notre période des anciens combattants, avant d'aller clôturer ça dans la province que préfère, parle de l'ombre des oubliés. Cela veut dire quoi? Les gens qui ont rendu des grands services pour la nation n'ont jamais été reconnus par tous les gouvernements qui se sont succédés. Alors que notre gouvernement, qui dirige le commandant suprême, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un gouvernement du peuple. C'est un gouvernement qui prône le peuple d'abord. Et les anciens combattants font partie de ce peuple parce qu'ils ont rendu réellement des loyaux services à la nation congolaise. C'est pourquoi, au nom de celui qu'on appelle le président de la République, le commandant suprême de l'armée congolaise, nous avons posé quand même des actes d'impérium pour montrer que le commandant suprême ne lâchera jamais le social de militaire, ne lâchera jamais le social de retraités, de l'air dépendant, de veuves et des orphelins, partout où ils soient, les démobilisés, ceux qui étaient déjà victimes des accidents au front. Nous devons les identifier petit à petit pour leur donner les lueurs d'espoir que demain, nous ferons mieux avec le commandant suprême. Il est venu, il n'a fait que 10 mois, et dans les 10 mois, il est tenté de toucher tous les secteurs, même les secteurs insensibles. Il fait lui-même la diplomatie. Donc c'est un président qui a plusieurs dimensions. Il a la dimension du diplomate. Tout le temps, il est en avion pour trouver des solutions aux problèmes de la diplomatie. Il est en même temps au front. En son nom, je suis en train de voir le problème des anciens combattants, ici et maintenant. Lui-même est en train de terminer la guerre à l'Est, entre deux avions, pour négocier la paix, pour trouver des solutions, et terminer avec le mouvement des armées qui crée encore le trouble à l'Est de la République. Lui-même est dans les sociales, lui-même est dans des infrastructures. Quelques 10 mois ici, il y a beaucoup de réalisations. Donc je donne encore aux anciens combattants et aux retraités la force de reconnaître que demain, sous Fati, ira mieux. Merci. Comment s'était passé? Comment je dois dire? L'événement, raconte l'histoire. Mais éclatement de tout cartouche, éclatement de canons, voilà. Des avions qui survolent. Voilà. La guerre, c'est comme ça. On nous a menés, nous on était dans un hôpital. On nous a amenés par ambulance des blessés. Puisque la Belgique n'avait pas assez de militaires pour faire deux fronts. Un front en Belgique, un front envoyer les tirailleurs en Belgique et les tirailleurs en Birmanie. C'était impossible. C'est pour cela que le colonel Thomas, le gouverneur Rickmans, qui avait accepté qu'on puisse entrer collaborer avec les Alliés, n'avait envoyé qu'un hôpital, qu'on appelait l'hôpital belge des campagnes. C'était seulement l'hôpital. Nous ne soignions que de blessés. Nous avions alors que de pluies de blessés. De pluies de blessés. C'est ça. Et des crépitements, des cartouches, des canons, c'était un peu plus loin. Mais nous, on avait la pluie de blessés. Voilà comment c'était passé pour nous. Et on voulait avancer, mais alors, comme les Français, les Anglais, avait, disons, comment dirais-je, terminé avec les Allemands en France. Ils avaient pris l'échantillon
Heureusement que Hitler n'avait pas eu cet échantillon, puisqu'il avait de mauvaises pensées pour exterminer, tu sais pas, l'Europe. Pourquoi? Quand les Américains avaient pris cet échantillon et développé en Amérique, on nous avait dit, vous attendez les résultats de la bombe que nous allons essayer et larguer au Japon. Si ça pourrait donner un bon résultat, alors la guerre pourra terminer. Alors, nous, on était mécontents tellement que nos amis sont restés, il y en a qui sont restés là-bas. On attendait et puis quand on avait largué la bombe atomique, on était là. Et les dégâts, alors, oh là, vraiment jusqu'aujourd'hui, il y a les dégâts qui continuent. Okay. Aujourd'hui, merci. Bien, merci. Un gros mot, merci. Gros merci, je dois dire. Peut-être exceptionnellement, je dois dire, parce que nous avons beaucoup demandé, nous n'avons pas eu de résultat. Nous n'avons pas eu de résultat. Moi-même, je ne sais pas si je serai où. M'avait pas accordé les bonnes paroles pour ça. Alors nous sommes contents aujourd'hui qu'on nous a accordé et que nous puissions demander et on nous a accordé. On nous a donné, c'est-à-dire de bien fêter. Merci. Merci. Papa, bonjour papa. Comment on en est, s'il vous plaît? Konyuku Ngoma Albert. Tomoni Bosolina, ministre délégué à défense en charge des anciens combattants. Merci beaucoup, Namotona Layo. Isengona Moni, depuis la guerre ici là. Depuis de loin, la guerre de 1946 jusqu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Le gouvernement Congo a été un ministre a été un ministre. Alors, on a un acte bon, on a séparé ma casse. On va continuer comme ça là-bas. On va armer la bison. On va se battre la bison pour avoir l'amour comme ça l'armée. Ce que je veux dire, c'est que l'armée est comme ça. Mais, on a un acte de militaire qui est là. On a un acte de militaire. Qui est l'armée? Discipline. Ce que les soldats ont la discipline, vous allez soldater. Soldats à monter à discipliner que tous à ma conduite. Mansour va lui mener ça la bonne face à l'amour. Soldats à la capitale de la terre. Soldats à la moto, ça hors de soldats. Ma peuple congolais, ma dame, ma boucle et ma soldat. Ma gomme ça la banque, combattre la peuple, combattre le bloc et la banque, le bloc et la banque. Soldats à la tango, t'as un ennemi civil. Tango, mais tu m'as toujours dit que c'est ma gare qui toque la bas civil. Le soldat bâti comme ça, qui est ennemi de la civile. La Nigi Bazala, la discipline, discipline. Bâton, ça va cousiner la banque. Bâton, ça va peupler la banque. Merci beaucoup.